Calme et paisible, le Lecta de Croix-Rivaille l'est encore plus aujourd'hui. L'internat est fermé depuis hier. À l'origine de la fermeture, un problème de santé qui a affecté plusieurs élèves mardi. Je mange lundi et puis mardi, je suis passé 15 minutes aux toilettes. Et c'est déjà arrivé ici? Non, c'est la première fois. Il y a combien d'élèves qui ont eu ce problème à votre avis? Une dizaine à peu près. Une dizaine d'élèves. Au total, une quinzaine d'élèves se sont présentés à l'infirmerie mardi après-midi. C'est là que la direction de l'établissement a pris la décision de fermer l'internat. Il y a en effet deux hypothèses à cette épidémie de problèmes intestinaux, la gastro-entérite ou l'intoxication alimentaire. J'ai pris la décision de fermer l'internat. On a appelé tous les parents pour qu'ils viennent récupérer leurs enfants hier soir par mesure de précaution. Donc on est parti sur l'hypothèse, en fonction des maux de ventre et de l'alerte du bulletin de l'ARS, d'une gastro-entérite. Comme ce sont des maux de ventre et qu'un certain nombre d'élèves prennent leur repas dans l'établissement, soit en interne et en demi-pensionnaire, on n'a pas exclu d'être confronté à une possibilité d'intoxication alimentaire. Donc on a prévenu les services de l'État, donc sanitaire. Des prélèvements de repas ont été effectués et les résultats d'analyse seront connus demain matin et communiqués aux parents. L'internat restera fermé jusqu'à vendredi.